Et ouais, les amis, ce matin, il est tôt. Vous voyez pas, j'ai allumé la lumière, mais il est 6h du mat. On s'entraîne tôt ce matin. Je vais chercher ma chérie à l'aéroport un peu plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on se fait plus tôt. Et bon, comme d'hab, on a les œufs, on a les toasts. Ce matin, on a même un muffin. Le poids a bien baissé ce matin. Un muffin aux myrtilles. Avec ça, les suppléments matinaux. Les épaules ce matin, bien sûr. J'ai pris mon ashwagandha au réveil. Première chose que je fais avec mes BCAA, glutamine. Et puis là, maintenant, c'est l'heure du glucosamine, de la glucosamine pour les articulations et vitamines antioxydants et oméga 3. Voilà. Ça creuse. Là, j'ai la ligne, je sais pas si vous voyez, la ligne de la barbe qui est un peu plus haute. C'est un peu bizarre, un petit peu que c'est pas aussi dense, on va dire. Juste parce que je garde la barbe pour l'Olympia cette année. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vais le dire officiellement sur ma vidéo. Je travaille avec la compagnie Maestro Classique qui fait des produits pour les barbes. Et du coup, ils veulent que je garde la barbe. Et ça me va très bien. Donc voilà. Mais voilà, ils vont m'envoyer justement, ils vont m'envoyer leur barbier depuis Philadelphie. Pour Vegas, il est excellent. Il m'avait fait une coupe à l'Arnold Classic cette année et j'avais vraiment bien aimé. Il est vraiment très très talentueux. Je vais essayer de me rappeler que j'ai dit ça et de vous mettre son Instagram là pour aller checker. Al Uppercut et Al Capo. Al Capo et son Instagram c'est Al Uppercut. Et voilà, du coup, il va s'occuper de moi pour l'Olympia, me faire une barbe vraiment super taillée. Il est surnommé le sculpteur de barbe. C'était le sculpteur de barbe original. Et il fait du super taf, donc je me réjouis de voir ce qu'il va faire pour l'Olympia. Bref, je vais manger ça et puis me diriger vers la salle. On va s'entraîner avec Sean et Ahmad. Et je vous retrouve donc à la salle. Boom. Yeah.